diplômée de l'IFAC Paris en 1994, j'ai 39 ans et aujourd'hui j'occupe la fonction de responsable ressources humaines au sein de la société Citour Merchandising. Cette société donc a pour activité la communication sur le point de vente auprès de la grande distribution, des industriels et des intermédiaires de la chaîne graphique. Cette société donc fait 30 millions de chiffre d'affaires et nous sommes 130 personnes. J'ai fait donc une spécialisation en ressources humaines à l'IFAG et puis j'ai débuté ma carrière professionnelle en qualité d'assistante ressources humaines. Tout d'abord dans une grande entreprise de la distribution. J'ai eu envie de découvrir d'autres secteurs d'activité et j'ai intégré une PME de 500 personnes qui avait pour originalité de combiner trois activités complémentaires, donc le transport de voyageurs, le tourisme et la vente de véhicules industriels. C'est celle que je vis à l'heure actuelle puisque lorsque je suis arrivée, on va dire que le terrain était quasiment vierge et que donc au fur et à mesure, j'ai pu intégrer des projets de développement en ressources humaines. Donc j'ai pu ainsi proposer des projets qui répondaient à la fois à des attentes individuelles et collectives. J'ai envie de continuer à m'investir dans la société dans laquelle je suis, donc de m'inscrire dans la durée. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à mettre en place et à développer et que ma plus-value va s'inscrire pour moi dans la continuité de ce que j'ai amorcé pour le moment à ce jour. C'est vraiment d'être au cœur en fait de toutes les fonctions de l'entreprise, d'avoir en fait du management fonctionnel, ça c'est quand même très riche à mon niveau. Voilà, de pouvoir en fait participer à tous les niveaux de l'entreprise, comprendre l'activité vraiment au sens le plus large. Donc ça me passionne vraiment. Également donc de pouvoir en PME avoir la chance d'être autonome, de pouvoir construire et développer soi-même sa fonction. Voilà, d'être force de proposition, d'être écoutée et de pouvoir en fait mettre en place rapidement aussi ces projets.